Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Optetou. Comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après 6 mois d'inactivité sur la chaîne. Ça fait bizarre, je vous avoue que ça fait bizarre d'être en commentary là maintenant. J'ai plus les mêmes sensations que j'avais à l'époque à pouvoir improviser, à pouvoir continuer le commentary sans forcément réfléchir. Là, j'avoue que j'ai un tout petit peu de peine, donc veuillez m'excuser si le commentary n'est plus comme il était à l'époque. Mais bon, normalement, ça devrait revenir, retrouver les bonnes petites sensations pour entamer la vidéo avec un bon sujet, avec un bon commentary, et qu'on puisse toujours bien rebondir. Niveau du gameplay, vous êtes des vénards. Vous êtes des vénards. Parce qu'on va se retrouver pour une nucléaire solo en 32 vs 32. Je dois être un des seuls youtubeurs, vraiment un des seuls youtubeurs, je dis gros youtubeur code, à l'avoir réalisé. Et je peux vous dire que c'est compliqué. Franchement, je peux vous dire que c'est extrêmement compliqué. Tout simplement, je vais en revenir pourquoi c'est compliqué cette nucléaire-là. Alors bien évidemment, il y a des gens qui ont réussi et ne sont pas forcément des youtubeurs. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais le 32vs32 étant sorti, je crois que c'était le dernier mode en l'occurrence qui est sorti. Et heureusement que ce mode de jeu est sorti parce que c'était sinon la décadence pour Call of Duty. Et je le pense sincèrement, mais j'ai expliqué pourquoi. J'ai expliqué pourquoi. Ne vous inquiétez pas, je vais pas commencer à critiquer le jeu pour critiquer le jeu, parce qu'il y a d'énormes points positifs sur ce Modern Warfare, mais il y en a également de très mauvais, malheureusement, et j'espère qu'ils vont être rectifiés. Même si c'est une bêta, faut pas oublier les gens qu'on est sur du 80% de jeu, et les personnes qui vont me dire non, c'est pas 80%, une bêta c'est entre 80 voire 90% de jeu, d'accord? C'est là, vous avez quasiment le jeu final. Dans un mois, c'est fini. D'accord? On ne peut pas rectifier plus de 20% de changement de gameplay. Qu'on soit bien d'accord. Parce que des fois, les gens ne comprenaient pas. Mais vraiment, dans une bêta, c'est vraiment 80, voire 90%. Qu'on soit vraiment d'accord là-dessus. Donc, première des choses, vu que j'avais arrêté Call of Duty, etc., je n'espérais pas grand-chose de ce Call of Duty Modern Warfare. Je vous avoue que j'étais pas vraiment tenté de réessayer ce Call of Duty. Surtout lorsque j'ai vu la conférence d'Epic Games, excusez-moi, d'Activision, oui, je suis vraiment désolé, mais je suis plus trop habitué, vous voyez, à l'E3, il y avait trois quarts des personnes qui faisaient des streams Fortnite en train de jouer à Call of Duty. Je suis plus trop habitué, moi, du coup, les mecs, ils jouent à Call of ou ils jouent à Fortnite? Enfin bref, peu importe, on va dire que le youtubeur code en ce moment, il est un peu au chômage, hein. On va pas se le cacher, mais ça montre un peu on va dire un peu le côté hypocrite d'Activision. À vouloir inviter des gens pour tout simplement promouvoir leur jeu. Ce qui est dommage, parce qu'à une époque, ça aurait été jamais été le cas, puisque à une époque, ça aurait été YouTuber code, enfin bref. Peu importe là-dessus. J'étais très déçu aussi également de ce World War 2, de ce BO4 au niveau des bêtas, qui étaient très prometteurs, comme ce Modern Warfare, avec ce 32 vs 32 qui est extrêmement prometteur, et finalement qui a été totalement saccagé par les développeurs. Soit par ego pour World War 2, qui soi-disant connaissait mieux ce que la communauté réclamait, hein, par exemple domination sans points qu'on attend toujours, hein. C'est vrai que lorsque ta communauté réclame le 100 points avec 80%, tu vas décider de mettre de 75% parce que selon tes sondages à 2 balles, bah, c'est forcément mieux. Et Black Ops 4 qui, du jour au lendemain, commence à totalement péter un plomb. Enfin, Treyarch commence à totalement péter un câble et que ça commence à partir un peu en couille avec cette histoire de licenciement, de vérité, hein, qui ont été sortis, puisque Monsieur David Van Der Haar nous sortait, oui, c'est un jeu de 3 ans de développement, vous inquiétez pas, on a bien bossé dessus, etc. Lorsque les mecs de chez Treyarch, tout simplement, ont été virés, ont dit la vérité et que ça a duré 1 an et demi de développement. Donc, on vous ment pour du marketing. À un moment donné, essayez de vous mettre un peu à ma place quand je fais des news codes, etc. En tant que fan de COD, à un moment donné, t'en as marre. Franchement, à un moment donné, t'en as ras le cul. Donc, ce Modern Warfare, quand j'ai vu l'alpha, enfin, le 2vs2, j'ai dit, bon, le 2vs2, quand j'ai vu vraiment le style de gameplay, je fais, mais putain, c'est Rainbow Six. Et ça, j'ai pas du tout aimé. Je fais, non, mais pas ça, s'il vous plaît, pas ça, pas ça. Ensuite, j'ai vu les vidéos, en l'occurrence, je crois que c'était Sky Rose, c'était, je crois, Saxy, je sais même plus, je m'en souviens plus vraiment. Je crois qu'il y avait Pink Geek, bon, c'était pas les trucs exceptionnels. Et la seule vidéo qui était vraiment très intéressante, parce que non seulement elle met en avant les avantages, et les inconvénients du jeu, c'est Tonio 25. Et c'est la seule vidéo,
vraiment qui, pour moi, aurait mérité déjà plus de visibilité, parce qu'en réalité, elle dit d'énormes vérités, cette vidéo-là, et elle a été énormément trash talk par la communauté, parce qu'ils n'ont pas du tout apprécié le fait qu'ils descendent le jeu, mais les gens ne comprennent pas qu'en fait, c'est pas seulement pour descendre le jeu, ce qui est totalement faux. Le but, c'est également pour que les développeurs puissent bouger leurs fesses, parce qu'à un moment donné, imaginez-vous que ça fait 2 ans, voire 3 ans, qu'on est en train de dire qu'est-ce qu'il faut développer sur le jeu, et les mecs ne bougent pas, à un moment donné. Il faut faire quelque chose. À un moment donné, c'est pas en faisant derrière, quand s'appelle son écran, en train de faire le mariole. Ouais, je m'amuse trop pour 2 mois sortir. Oh, je me fais chier sur le jeu, c'est pas bien, gna gna gna. Lorsque t'as pu voir les défauts directement à l'E3 et les mecs font semblant de s'amuser, à un moment donné, voilà. Je remercie énormément Tonio d'avoir été franc dans sa vidéo, même si c'est mangé un maximum de dislikes. Franchement, merci à toi parce que. Les défauts, on a pu les voir dès le début du jeu, et tu avais entièrement raison, poteau. Si tu vois cette vidéo, ça me ferait plaisir. En tout cas, les avantages et les inconvénients, on va en parler tout de suite parce que il y a d'énormes choses positives. Le bruit des armes, mon Dieu, quel boulot. Incroyable, je n'ai rien à dire Infinity Ward. C'est vrai que je suis quelqu'un qui critique énormément, et vous me le dites très souvent, j'ai un sale caractère, et je peux comprendre. Mais le bruit des armes, magnifique. Franchement, je n'ai rien à dire. Vous avez fait un super boulot. Par contre, le bruit des pas, va falloir rectifier ça lorsque le jeu va sortir, parce qu'il est complètement buggé. Malheureusement, il est complètement buggé, et c'est plutôt un grave défaut, puisque des fois on a l'impression que le mec il est à 2 mètres lorsqu'il est à 10 mètres, et des fois tu as l'impression qu'il est à 10 mètres lorsqu'il est à 2 mètres. Donc j'espère que vous allez rectifier ça. La classe est la personnification des armes. De nouveau, je n'ai rien à dire. Magnifique, incroyable, magnifique. Franchement, je n'ai de nouveau rien à redire. Incroyable. Toutefois, au niveau d'un truc, fantôme niveau 13, on va en reparler. On va en reparler parce que là, c'est plus possible. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez horrible. Et les mortels, bon, bah, le jeu t'incite à jouer avec des claymores, avec des mines, etc. C'est plutôt assez chiant. D'ailleurs, moi, je l'utilise en Grand War pas seulement pour bloquer un endroit, absolument pas. Malheureusement, il y a de nouveau un bug qui existe sur Grand War, c'est que des fois, t'appuies sur D et il te renvoie au spawn. Il t'envoie tout en bas. Donc, la seule façon de te buter, c'est tu balances une claymore, tu tires sur la claymore, tu te suicides et tu choisis de nouveau ton endroit de spawn. Le gameplay est génial. Franchement, le gameplay, de nouveau, un super avantage du jeu. Je kiffe le gameplay. Le gameplay est génial en 32 vs 32. De nouveau, ça, je vais en revenir un peu plus tard. Par contre, l'inconvénient, c'est le gunfight. Le gunfight, alors je ne sais pas si c'était les connexions des serveurs de bêta qui étaient complètement saturés avec cette histoire de 32 vs 32, mais il est complètement aléatoire. Et des fois, tu as les jetons, vraiment, je dis vraiment, tu as les jetons en gunfight parce que tu as peur de te prendre un bullshit. Alors, je ne sais pas si c'était les connexions. Est-ce que c'est encore des rectifications qui doivent être faites pour que le jeu soit parfaitement bien? Je ne sais pas là-dessus, tout simplement, je peux vous dire que le niveau du gunfight, c'est un peu horrible. La vie, moi je la mets au milieu, c'est ni un avantage ni un inconvénient, tout simplement parce que je m'adapte à la vie. Ça, c'est peu importe si t'as une vie basse, etc. On va dire que c'est par rapport en fait à un tout. C'est que la vie, plus sa régénération basse, qui est un très très mauvais point, et ça, j'ai toujours pas compris pourquoi vous reprenez la pire erreur de Call of Duty World War 2. Parce que, je veux dire, World War 2 a été énormément critiqué pour sa régénération de vie, et ils ont décidé de refaire la même. Mais pour de nouveau, pour le 32 vs 32, ça marche, et ça, on va en reparler juste après. Et ça marche parce que la map est assez grande, la map est faite pour. Et en fait, ce jeu, j'ai l'impression, a été plus développé pour faire du 32 vs 32 que du 6 vs 6 ou du 10 vs 10. Ce jeu n'est pas du tout optimisé pour faire du 6 vs 6 ou du 10 vs 10. Quand tu fais les modes classiques, hein, donc les premiers modes normaux des Call of Duty, c'est pas fait pour. Vraiment, je m'ennuie sur ces modes-là parce que les mecs ne bougent pas, étant donné que la vie est plutôt assez basse. Donc, en plus d'une régénération de vie basse, ça aide pas. Et en plus, Phantom Level 13, les mecs, ils voient personne sur la mini-carte, étant donné que la mini-carte a été changée dans ce Call of Duty-là. Donc du coup, ça change tout le gameplay, étant donné que tu vois personne sur la mini-carte, que tu as une vie basse, ta régénération basse, la communauté, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide tout simplement de prendre son temps, de temporiser. Et ce n'est pas la faute de la communauté en réalité, c'est la faute des développeurs.
Et oui, c'est la faute des développeurs parce qu'à partir du moment où tu as donné l'opportunité ou l'avantage à quelqu'un de temporiser ou de camper, tu vas l'exploiter. Si je te dis que demain, tu as la chance de gagner 1 million en appuyant sur un bouton, est-ce que tu vas le faire? Bien évidemment, parce que tu as le choix. Eux, ils ont le choix. Soit tu décides de rusher et tu te fais totalement défoncer parce que c'est pas un Call of Duty Gun and Rush, comme on aime bien le dire, c'est un Call of Duty sur la tempo. Alors, que tu aimes ou que tu aimes pas, peu importe, même si je préfère bien évidemment les Call of Duty de Black Ops, parce que tu peux rusher, avancer, même si par exemple Black Ops 1 est super lent, tu peux quand même rusher. Voilà, alors de nouveau, ça devient un cycle avec cette histoire de fantômes. C'est pour ça, en tant que développeur, s'il y a un développeur qui écoute, mettez fantômes level 40. Enfin, level dans les plus hauts niveaux. Parce que même s'il y a un level 1 qui va arriver sur votre jeu, tu vas dire, ah super, j'ai un drone, hop là, tout le monde en fantôme, tu vois personne sur la minimap. Tout à fait, ok, bon, bah. À quoi ça sert de sortir des drones, les mecs? Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? C'est que ça aide absolument pas, en fait. T'arrives dans un cycle infernal et ça aide absolument pas. Les killstreaks, alors de nouveau, avantages ou inconvénients, moi je le mets au milieu parce que ça me fait plaisir de revoir les killstreaks. Sincèrement, une RCXD en ayant obtenu juste deux captures de drapeau et une assist de kill, et tu pouvais te faire fumer dans ta série nucléaire, oh je devenais fou. Franchement, je devenais fou. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas enchaîner ces killstreaks. Alors certains m'ont dit, ouais, il y a un atout qui s'appelle chaîne d'élimination, tu peux le faire. Alors chaîne d'élimination ne fait absolument pas ça. Chaîne d'élimination se comporte un peu comme Modern Warfare 2, c'est-à-dire que si tu sors un allié et que ton allié fait des kills, bah ça sera plus simple pour obtenir tout simplement tes hélicos. Voilà, ça veut dire que ça compte dans ta série hélico. Je trouve pas que ça soit une excellente idée d'avoir mis cet atout et de nous avoir empêché de pouvoir mettre des strikes lorsqu'on continue d'enchaîner, parce que forcément la nucléaire est assez compliquée, surtout en solo, parce qu'en solo ce mode est vraiment très compliqué en solo. Donc le 32 vs 32, heureusement que vous avez, heureusement, ce mode de jeu, sincèrement, et je le dis sincèrement, ce mode de jeu, je l'ai tellement kiffé. J'ai pris du plaisir. Depuis longtemps, je n'ai pas pris autant de plaisir à jouer sur Call of en 32 vs 32. Enfin, sur Call of en général. J'ai pris un kiff à faire des frags à volonté, mais c'était juste plaisant. Et surtout, le graphisme sur PC, magnifique. Vous avez fait un super boulot. Aspect négatif, le SBBM. Alors ça, c'est le Skill Based Match Making. C'est une énorme connerie. J'espère que vous n'allez pas le mettre. Parce que c'est une énorme connerie, ça a défoncé Advanced Warfare, et ça l'a défoncé, et ça démolit Call of Duty. Alors j'espère qu'ils vont l'enlever, parce que c'est une connerie, ça ne devrait pas exister. Et les gens qui me disent, ouais, mais c'est normal si un level 1 affronte un level 1, et un level 20 affronte un level 20. Non, ce n'est pas normal. Non. Et vous savez pourquoi? Parce que le but d'un Call of Duty, c'est que tu prennes du plaisir en affrontant des joueurs forts ou des joueurs pas forts. Par exemple, si je joue à WoW, j'ai passé mon temps à jouer à WoW, j'ai un mode spécial où je vais affronter des mecs de mon niveau, des mecs qui ont une certaine cote, et si j'ai envie de jouer en mode normal et affronter tout le monde en PvP, je vais dans ce mode-là, et j'affronte des forts et des pas forts. Et c'est la même chose dans tous les modes, et ça devrait être comme ça. Tout simplement parce que, en plus, si des level 1 affrontent des level 1, tu vas jamais évoluer. Désolé de vous l'apprendre, vous allez jamais évoluer. Tandis qu'un mec affronte un 3 de ratio contre un 3 de ratio, bah déjà il va jamais s'amuser parce que ça va être chaque match une CWL, hein, parce que je sais qu'il y a certains abonnés qui ont des grosses statistiques comme j'ai pu avoir, donc ils savent très bien de quoi je parle, mais il n'y a rien d'amusant d'affronter des 3 VS, des 3 de ratio contre des 3 de ratio. Franchement, je peux vous dire que la première semaine de bêta, j'ai cru que j'allais péter un plomb. Sachant que en plus, le 6v6 et le 10v10 n'est absolument pas optimisé, surtout avec les maps qu'on vous donne. C'est absolument pas optimisé. C'est juste horrible. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Est-ce que j'ai un avis positif? Oui, avec ce 32 vs 32, malheureusement, qui est rempli un peu de bugs, mais comme on a dit, c'est une bêta, donc là, c'est sur les 20% que ça va être rectifié. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Modern Warfare. Ciao, ciao tout le monde!